Voilà, Bezrat Hashem, Moadim les Simcha, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Samer de Matsechet Hirouvin. Donc le Daf Samer de Matsechet Hirouvin, voilà, donc on en était hier. Daf Nuntet, on était aux deux points vers la fin, enfin vers la fin, dans la deuxième partie du Hamoud Nuntet Hamoud Bet. Daf Nuntet Hamoud Bet. Très bien, donc voilà, donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu hier la fameuse Halakha que lorsqu'on a une ville, qui était une ville de Yachid, et après que cette ville-là elle s'est transformée en ville de Rabim, malgré tout, on avait le droit de faire le Hirouv pour toute la ville en même temps. Par contre, si c'était une ville de Rabim, qu'elle se soit transformée en Yachid par la suite, l'homme échané, ou qu'elle soit restée de Rabim, dans tous les cas, une ville de Rabim, qui était initialement une ville de Rabim, tu ne pourras pas lui faire le Hirouv de toute la ville en même temps. Tu devras laisser un quartier indépendant qui se débrouillera pour faire son Hérouv de manière indépendante. Ça, c'était la halakha qu'on a vue dans la Mishnah. Maintenant, par rapport à ça, la Gemara nous raconte une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé une fois avec Rabbi Zera? Rabbi Zera, Arval, les Mata de Berebria. Il y avait une ville qui s'appelait Mata de Rabihia, la ville de Rabihia. D'accord? Donc, cette ville de Rabihia, a priori, il a compris Rabbi Zera que si elle s'appelait la ville de Rabihia, c'était une ville qui, à la base, elle appartenait à Rabihia. Donc, c'est une ville qui, à la base, est une ville de Yachid. Alors là, enfin, quand je parle de ville de Yachid, on avait bien expliqué hier qu'il y avait une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que la ville de Yachid, elle est par rapport au nombre d'habitants ou par rapport à ce qu'elle appartient à un Yachid ou pas? Alors là, c'est vrai que là, j'ai un petit peu fait rentrer l'avis du Rambam qui dit qu'une ville d'un Yachid, c'est parce qu'elle appartient à un Yachid. Mais bon, l'homme est chané. En tout cas, c'est une ville dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de monde. En tout cas, Rabbi Zera, lui, il a fait un Hirouv là-bas dans toute la ville entièrement. Un Hirouv pour toute la ville entièrement. Rabbi Zera, Arva le Mata de Berabichia, Velo Shavak la Shiur. Il n'a pas laissé un quartier dans la ville qui n'était pas Meurav. Donc la question qui se pose, c'est que. Alors, ils ont parlé à Abaye, Abaye lui a dit Maïtama Aban Marachi. Pourquoi tu fais comme ça? Il a dit à Abaye, Rabbi Zera, il a dit pourquoi tu fais comme ça? C'est une ville de Rabim. Tu vois bien que l'état de la ville, c'est une ville de Rabim dans laquelle il y a beaucoup de monde. Donc normalement, une ville de Rabim dans laquelle il y a beaucoup de monde, tu devrais laisser une partie qui fasse le Hirouv tout seul. Amarle, il lui a dit, Sabé Dida, les Ekenim de cette ville-là, les vieux de cette ville-là, les anciens de cette ville-là, ils m'ont raconté, Amrili Rabbi Chia Bar Asi Me Arev Kula. Ils m'ont raconté que Rabbi Chia Bar Asi lui-même, il faisait le Hirouv de toute la ville en un coup. Donc moi, j'ai compris de là, en m'appuyant sur ce que les vieillards ont dit, puisqu'on a le droit de les croire, ces vieillards, ils m'ont raconté quelque chose, donc je les ai cru. Donc en m'appuyant sur ce qu'ils ont dit, ces vieillards-là, j'ai compris de là que si Rabbi Chia Bar Asi, il faisait le Hirouv de toute la ville entièrement, c'est bien parce que cette ville-là, elle est considérée, elle était à la base une ville de Yachid. Donc on a le droit de lui faire le Hirouv entièrement, même si au jour d'aujourd'hui, elle est devenue une ville de Rabim. Il lui a dit non, pas du tout. Va Amina, attends, la Gemara dit, et moi j'ai compris, Va Amina, et moi je me suis dit, Shma Amina, Irshel Yachid, Vena Sachel Rabimi. Donc c'est une ville qui à la base était une ville de Yachid, et par la suite, elle est devenue une ville de Rabim. Amarle lui a dit, non, les Didi Amrouli Hanhu Sabé. À moi, ils m'ont raconté ces anciens-là, ils m'ont dit que la raison pour laquelle ils faisaient le Hirouv en un coup, c'est pas parce que c'était une ville de Yachid. Il y a certains cas exceptionnels où même une ville de Rabim, tu peux le faire le Hirouv en un coup. C'est dans quel cas? Dans le cas où la ville n'a pas une ouverture de tous les côtés. Elle a une ouverture que dans un sens. Dans un cas où la ville, comme on avait vu plus haut, elle a pétach echad, que si jamais la ville n'a qu'un seul pétach, alors là, on a le droit de faire un Hirouv pour toute la ville, même si c'est une ville de Rabim, parce qu'à partir du moment où elle a un pétard, comme on avait expliqué hier, c'est une ville qui ne ressemble pas à Diglé Midbar, donc les gens ne vont pas venir avoir une confusion et se dire qu'on a le droit de faire un Hirouv dans un Rishout à Rabim. Alors maintenant, et donc il a dit, donc c'est pour ça qu'en fait il avait le droit de faire le Hirouv, parce qu'à l'époque, cette ville-là, elle n'avait qu'une sortie, c'était une ville, il y avait une seule sortie. Ah, tu vas me dire la deuxième sortie là qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'elle avait? Pourquoi elle nous dit avec moi que cette sortie-là, elle était bouchée par une poubelle. Il y avait une poubelle, une déchetterie plutôt, une déchetterie qui était là-bas et qui bloquait l'issue de la ville. Alors on avait déjà vu au début de la Metsiched, déchetterie d'un Yachid, déchetterie d'un Rabim. Est-ce qu'on est recherche que la déchetterie, elle va être débarrassée pendant Shabbat ou pas? En tout cas, l'homme échané ici s'est rentré dans ce point-là. Mais en tout cas, à partir du moment où il y avait une déchetterie,
la déchetterie, elle bloquait et elle barricadait une des deux sorties de la ville. Donc, ça revenait à être une ville de Rabim qui n'avait qu'une seule sortie. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettaient de faire un égout pour toute la ville. Machen, Ken de nos jours, où c'est une ville de Rabim qui n'a jamais été une ville de Yachid. Donc, une ville de Rabim qui n'a jamais été une ville de Yachid, tu ne peux pas lui faire l'euro sans avoir laissé un quartier. Il a dit, ah, je savais pas. J'ai mal compris. Je savais pas. Il a dit, mais Hila. Qu'est-ce qu'il a dit, la Vadata? Alors, je reprends dans les mots. Amroule et Anesabe, ils m'ont dit, ha, i, h, pa, avela, Michad Gisa. Il y avait une poubelle dans une des sorties. Et maintenant qu'on a libéré la poubelle et qu'on a enlevé cette déchetterie, donc là il y a deux ptachim veatir, donc ça devient interdit. Amarle, il a dit, Rabbi Zera, il a dit, je ne savais pas, désolé, excusez-moi les amis. Donc il a dit, tu as raison, il faut laisser un quartier. Maintenant, toujours par rapport à cette idée, à cette sugya-là et par rapport à ce point-là qu'on vient de citer, à savoir que dans un cas où la ville, elle n'a qu'une sortie, et bien cette ville-là, tu peux lui faire le hérouf dans entièrement en un coup, même si c'est une ville de Rabim. La Gemara va dire, Ma'adin, si cette ville-là, elle a d'un côté une sortie, mais de l'autre côté, c'est une échelle. Alors, est-ce que l'échelle, c'est aussi un moyen de sortir de la ville? Mais c'est un moyen, on va dire, moins pratique, moins noir. Alors maintenant, dans ce cas-là, la Gemara se pose la question, Ba'e mine rav ami bar ada arpana'a miraba. Rav Ami Bar Ada Arpana, il a demandé à Rabba, il lui a dit Soulam Mikan ou Petach Mikan, Maou. Si jamais tu as d'un côté une échelle et de l'autre côté tu as un Petach, quel est le dîner dans ce cas-là? Rav Nerman, il a dit. Non, j'ai écouté une écrit là. Amarleou, il a dit Achiam Rav. Ainsi, Rav a dit Soulam, Torah de Petach Alav. Le Soulam, il a un Torah de Petach. Donc à partir du moment où il a un Torah de Petach, il a un statut de Petach. Donc là, en fait, ça correspond à une ville qui a deux ptachim de deux côtés. Donc, tu ne pourras pas faire le hérouv dans cette ville-là sans laisser un quartier indépendant. Amar le Rav Nerman, il leur a dit, non, n'écoutez pas ça. L'autre, c'est tous les. N'obéissez pas, n'écoutez pas ce qu'il vient de vous dire. Ahi Amar Rav Ada Amar Rav. C'est comme ça qu'il a dit en réalité Rav Ada au nom de Rav. Rav, ce qu'on a rapporté au nom de Rav, c'est faux. Voilà comment Rav Ada il a rapporté au nom de Rav, que Soulam, Torah de Petach Alav, ve Torah de Mechitza Alav. Un Soulam, en réalité, il a les deux statuts, il a les deux casquettes. Ça dépend. À chaque fois, on va utiliser la Kula. Quand ça m'arrange de lui donner un statut d'une Mechitza et de dire que finalement, ça reste une Mechitza, la Soulam va te bloquer l'entrée et donc ne va pas te faire un pétard. Alors là, on va lui donner un Torah de Mechitza. Et quand ça va nous arranger de lui donner un statut de Torah de Petach, et ben on va donner un Torah de Petach. Là, en l'occurrence, ça nous arrangerait plus de lui donner un Torah de Mechitza. Donc, on lui a donné une Torah de Mechitza. Donc, tu pourrais faire le hérouv dans cette ville-là qui, d'un côté, a un pétard et de l'autre côté, a une échelle. Donc, c'est ce qu'il lui a dit. Alors, Amarav Adamarav, Soulam, Torah de Pétach Alav et Torah de Mechitza Alav. Torah de Mechitza Alav. La Torah de Mechitza, dans quel cas on serait intéressé à ce que le Soulam, il ait une Torah de Mechitza, à savoir qu'il va boucher la sortie, on ne va pas la considérer comme un pétard. C'est dans un cas qui est des Amran, dans le cas qu'on a cité, dans le cas où tu as une ville et que tu es intéressé à ce que la ville n'ait qu'une seule sortie, de telle sorte que tu puisses faire le hérouv de toute la ville. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, on sera intéressé à lui donner un statut de Torah Mechitza. Par contre, dans quel cas Torah Petach, quel est le cas de figure où on est intéressé à donner un statut de Petach à l'échelle? Torah Petach alav, besoulam sheben shtei chatzerot. Ratsu echad me'arev, ratsu shnaim me'arvin. Donc là, il faut savoir que normalement, quand il y a deux chatzerot, imaginons qu'il y a deux chatzerot, l'un qui communique avec l'autre au travers d'un pétard. Le cas classique, c'est au travers d'un pétard. Après, je vais vous expliquer tout de suite avec l'échelle. Mais le cas classique, c'est au travers d'un pétard. Le fait qu'il y ait un pétard et que ce pétard-là, qui est entre le chatzer 1 et le chatzer 2, est un pétard qui n'a pas une largeur de 10 amot, donc c'est considéré comme un pétard. Donc là, les deux chatzerot, tu as le choix. Soit chacun fait le hérouf de son côté et personne n'empiète sur l'autre. Hein. Chacun a sa propre sortie. Hein. On n'est pas dans la configuration comme on avait parlé hier d'un chatzer dans un autre chatzer. Là, on a deux chatzerot indépendants mais qui ont quand même qui communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un pétard. La Lacha nous dit, comme ça on verra Bédrachim dans les prakim plus loin, qu'on en avait déjà parlé aussi, que tu peux faire le hérouf soit chaque chatzer benifrad, soit ensemble. Parce qu'à partir du moment où ils communiquent, et c'est obligatoire qu'il y ait une communication entre les deux chatzerot pour pouvoir faire le hérouv ensemble. Donc, tu as la possibilité de décider de le faire
chacun indépendant. Et à la limite, même si le deuxième il n'a pas fait, ça ne dérange pas. Ou tu as la possibilité de faire, si tu veux, les deux ensemble. Et donc, tu peux porter d'un khatser à l'autre. Ça, c'est quand il y a un pétard. Maintenant, quand il n'y a pas de pétard, quand il y a un mur qui bloque, bah, finalement, on n'a rien d'autre comme possibilité que de faire chacun le hérouv du khatser séparé. Maintenant, là, le lien, c'est que tu as un mur qui bloque entre les deux khatserot, mais tu as mis une échelle. Et grâce à l'échelle, tu peux grimper et passer d'un khatser à l'autre. Alors là, dans ce cas-là, si on dit que c'est un statut de mérite, ça, là, alors là, dans ce cas-là, tu pourras pas faire le hérouv entre les deux khatserot en même temps. Mais, alors, en réalité, la nafkamina, elle est quoi? La nafkamina, elle est déjà premièrement quand tu vas passer par l'échelle, mais aussi par rapport à toutes les fenêtres et toutes les ouvertures qui peuvent être existantes sur le mur. Imaginons, il y a une mini-fenêtre. S'il y a une grosse fenêtre, la fenêtre elle-même, elle est considérée comme un pétard, comme on le verra juste après. Mais si, disons, il y a une mini-fenêtre, est-ce que tu peux porter au travers de la fenêtre d'un khatser à l'autre? Alors là, dans ce cas-là, s'il y a une échelle, et que l'échelle, on lui donne un statut de pétard, alors là, ça voudra dire qu'on pourra faire le hérouv des deux khatserot en même temps, et donc on aura le droit de porter, grâce à toutes ces petites fenêtres et toutes ces petites ouvertures qui sont dans le mur entre les deux khatserot. Très bien. Voilà ce que nous dit la Gemara ici. Donc là, dans ce cas-là, on est intéressé à donner un statut de pétard au soulam, à l'échelle. Torah de pétard alav, be soulam, sheben shtei khatserot. Ratsu echad me'arev. S'ils veulent, ils peuvent faire le hérouv chacun de manière indépendante. Ratsu shnaim me'arvim. S'ils veulent faire le hérouv à deux, ils peuvent décider de faire le hérouv à deux. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Il a dit une grande coula par rapport à l'histoire du soulam. Le soulam, en réalité, tu es mekel. Tu l'utilises à ta sauce, à ta guise, quand tu es intéressé de faire la coula comme ça, ou tu es intéressé de faire la coula dans l'autre sens. Alors il m'a dit, ah bon, Miyama Rav Nachman, achi, est-ce que Rav Nachman il a dit une chose pareille? Pourtant, Rav Nachman, il a dit un autre enseignement qui n'a pas l'air de trop s'arranger avec ça. Pourquoi? Il a dit Rav Nachman, Rav Nachman Amar Shmuel, Anche Khatser Anche Mirpeset, Sheshacherhu Velo Irvu. Im yesh lefanei daka arba'a ena oseret, ve im lav oseret. Alors là, Rav Nachman, cette fois-ci, nous rapporte un enseignement au nom de Shmuel. Donc là, Rav Nachman, hein, qui valide cet enseignement. Donc Rav Nachman doit être cohérent avec lui-même. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Il a dit que si jamais tu as un khatser, dans ce khatser, il y a un mini-immeuble. Un mini-immeuble du genre. Comment dire? C'est un immeuble où en réalité, il y a une mirpesset. De telle sorte à ce que de cette mirpesset-là, de ce petit balconnet, les gens de l'étage du dessous, ils peuvent descendre et passer par le khatser. Donc finalement, pour sortir dans la rue, ceux qui habitent au premier étage, ils passent par ce petit khatser, donc en fait, cette petite cage d'escalier en plein air, comme ça, et ils descendent dans le khatser, et donc ils peuvent sortir dans le Rechout Arabim en passant et en traversant par le khatser. Donc là, normalement, à la base, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils doivent faire le hérouv ensemble. Qui habitent dans les appartements du premier étage et ceux qui habitent dans les appartements du rez-de-chaussée, ils doivent faire le hérouv ensemble. Et si jamais il y en a un qui n'a pas fait le hérouv, celui du premier étage n'a pas fait le hérouv, alors là, on va considérer que tout est interdit parce qu'ils doivent faire le hérouv ensemble. Là, ce n'est pas comme deux khatserot qui sont communiquants que par une porte. Là, c'est vraiment, ils sont un seul. Ça forme une seule entité. Maintenant, là, on nous dit ici qu'à partir du moment où il y a donc, et le mirpeset, comment on y montait dans cette mirpeset-là? On y montait grâce à un soulam. Il y avait un soulam. Donc, d'après toi, Rav Nachman, si on devrait suivre ta logique et dire qu'on utilise le soulam, la coula, quand ça nous arrange. Donc, dans un cas où ceux de la mirpeset n'ont pas fait de hérouv, donc a priori, normalement, ils ne devraient pas interdire, puisqu'on va considérer que le soulam, il est considéré comme comment on appelle ça? Comme une mechitza. Et donc, il isole les appartements du dessus. Or, il y a marqué dans cet enseignement de Rav Nachman de Shmuel que le seul moyen d'isoler les appartements du sud, c'est de faire une daka. Daka, c'est un petit portique, un petit portière, une petite mechitza, une petite rambarde comme ça de 4 tfachim qui va être genre quelque chose qui va montrer que tu t'es isolé, qu'en réalité, tu ne sors pas dans le khatser et donc tu vas de manière indépendante. Dans ce cas-là, si jamais je me suis isolé en mettant cette daka-là, alors là, effectivement, ceux du premier étage ne rentrent pas à Soura ce du rez-de-chaussée. Donc là, dans ce cas-là, a priori, ça ne va pas avec ce qu'a dit Rav Nachman. On devrait considérer que l'échelle est une mechitza. La Gemara te dit non, ici on parle de quoi? Ici on parle d'une mirpeset qui n'est pas gvoa à Sarah. On ne parle pas d'une mirpeset au premier étage. On parle d'une mirpeset qui est un petit peu surélevée, qui a moins de 10 tfachim de hauteur. Et à partir du moment où elle a moins de 10 tfachim de hauteur, donc l'échelle elle a moins de 10 tfachim. Donc une échelle de moins de 10 tfachim, elle ne peut pas être une mechitza. Pour être une mechitza, on a toujours appris, on connaît la règle, c'est que la hauteur minimum d'une mechitza, c'est de 10 tfachim. Si jamais tu n'as pas 10 tfachim, ce n'est pas considéré comme une mechitza. Donc à partir de là, on comprend que
ce soulam-là ne peut pas servir de mechitza. Donc, on n'a pas d'autre choix que de le considérer comme un pétard. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent faire le yiwouv ensemble, auquel cas, l'un interdit l'autre, ou à part s'ils ont fait une daka, une petite barrière. Alors, c'est ce que nous dit l'agma ici. On parle d'un cas où la mirpeset, elle n'est pas haute de Asara. La gmara pose la question, dit, ok, mais si c'est pas gavo Asara, alors c'est un seul et même khatir. Le daka, la petite rambarde que tu as fait là, elle sert à rien, c'est un petit truc à tfahim, c'est pas une vraie mechitza. Donc en quoi cette petite mechitza, hein, elle va isoler les premiers? La gmara dit, non, ici on parle d'un cas où c'est megoupé fait. En réalité, megoupé fait, ça veut dire que dans cette petite mirpeset, elle a hein, de part et d'autre des barrières. Mais au travers de cette barrière, il y a quand même une ouverture qui est plus de 10 amot. Normalement, une ouverture de plus de 10 amot, ça pose un problème. Ça fait une pirsa. Alors là, dans cette pirsa, c'est complètement normalement fermé dans les autres parties. Mais là, il y a une pirsa de 10 amot. Cette pirsa de 10 amot, si jamais tu mets une petite daka de arba, hein, alors là, dans ce cas-là, tu as réussi à isoler. Parce qu'il y a quand même une base qui isole déjà la mirpeset au travers de ces guipoufés, au travers de cette petite barrière qui sont sur tout le contour. Ce que nous dit l'agma ici, « Kikavit daka mayave » L'agma dit « Megoupé fait ad eser amot » Elle est megoupé fait jusqu'à qu'il reste un espace de 10 amot. « De kevan david daka » Istalouki, istalukule me'acha » Le fait d'avoir fait une petite barrière, ça fait qu'on se retire carrément de l'association avec la deuxième partie du khatir. Donc, ce n'est pas le rez-de-chaussée, parce que tout le monde est à peu près rez-de-chaussée. On est à moins de 10 tfachim, mais en tout cas, avec les autres du khatir. Continue l'agma. Donc là, on a expliqué qu'en fait, Rav Nachman, il peut toujours suivre sa logique, que lorsqu'il y a un soulam, on l'utilise à la coula, ce qui nous arrange, soit un pétard, soit une mechitza. Maintenant, bien entendu, là, dans ce cas-là, on parlait d'un cas où tu ne pouvais pas l'utiliser en tant que mechitza, puisque la mirpeset n'était pas autre de 10 tfachim. Donc, c'est pour ça qu'on considère que finalement la mechitza, elle est obligée, le soulam, il est obligé d'être un pétard ici. Suite de la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Kotel chez Ritzpo Besoulamot. Alors là maintenant, vu qu'on a vu que l'échelle, elle peut nous permettre d'avoir un pétard entre deux chatserot, quand tu as deux chatserot qui sont séparés par un mur, il n'y a pas de porte dans le mur, mais tu as mis une échelle. Alors là, tu me dis que c'est comme si c'était un pétard. Maintenant, nous, on sait que dans un khatser, quand il y a un khatser avec un pétard, si le pétard il est large de 10 amot, eh ben, ça y est, on est obligé de faire le hérouv entre les deux. Tu ne peux plus faire la deuxième option qui est de faire chacun le hérouv de manière indépendante. Maintenant, là, on se pose la question, quand tu as des échelles, tu as mis tellement d'échelles les unes à côté des autres que quand tu vas associer toutes les échelles, tu as plus de 10 amot. Donc, dans ce cas-là, à Kotel, chez Ritzpo, mais sous la motte, à partir du moment où tu les as... tu as mis beaucoup de soulamot les unes à côté des autres. Est-ce que dans ce cas-là, hein, vu que tu considères un statut de pétard, donc tu as empêché la possibilité de pouvoir faire le hérouv de manière indépendante, on sera obligé de le faire ensemble. Donc là, il te dit, dans ce cas-là, il a dit Shmuel, quand elle s'irrite pas mes soulamot, t'as fait bêter mes seramot, mes seramot, torat mechitza alav. Malgré tout, c'est une mechitza, et donc finalement, tu peux quand même faire le hérouv de chacun indépendant. On va dire, ah bon, tu peux faire le hérouv de chacun indépendant. Ramez les Rav Bruna, les Rav Yehuda, be matzarta de be Rav Hanina. Donc le fameux pressoir de Rav Hanina, on avait déjà parlé de ce pressoir-là une fois. Là-bas, ils se rencontraient là-bas, ils faisaient tout des pilpoulim, ils se parlaient de Divrei Torah, les Amoraïm Akdoshim. Donc là, dans le petit pressoir de Rav Hanina, ils se sont rencontrés. Rav Bruna, il a posé la question à Rav Yehuda, il lui a dit, attends, je ne comprends pas. Comment tu peux rapporter ça au nom de Shmuel? Comment c'est possible que Shmuel dise une chose pareille? Ou mis à main Shmuel Torah Mechitza Alav, est-ce que Shmuel, lui, il a dit que l'échelle va donner un statut de Mechitza, puisque là, tu es en train de me dire que c'est un statut de Mechitza et pas un statut de pétard, parce que si ça avait été un statut de pétard, tu aurais été obligé de faire le hérouv des deux Khatserot ensemble. Alors, Gmal te dit, ou mis à main Shmuel Torah Mechitza Alav, ve Amar Rav Nachman. Amar Shmuel, pourtant, Rav Nachman, il y a un nom de Shmuel, ce qu'on avait vu juste avant. Que Anche Mirpeset ve Anche Khatser Shechichou ve Lo Irvou. Si jamais les gens du Khatser et les gens des Mirpeset ont oublié de faire le Hirvou ensemble, mais ils ont fait un Hirvou chacun indépendant, est-ce que l'un il est au serre sur l'autre? Imi Estefane Adakar Baina au serre, mais il me l'a au serre. Ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que si jamais il y a le petit rambard de 4 Tfahim, ça prouve que tu étais séparé, la Mirpeset s'est séparée, et donc elle n'est pas au serre, sinon elle est au serre. Donc on voit bien que même s'il y a un soulam, le soulam il ne fait pas une Mechitza.
puisque si le Soulem l'avait fait, il formait une Mechitsa, on n'aurait pas eu besoin de la Daka, de Arba. Alors, même réponse que tout à l'heure, on parle ici d'un cas où la Mir Peset, elle n'est pas Gavo à Sarah, donc le Soulem, il ne pourra en aucun cas servir de Mechitsa. Rabbi Maeskinan, de lo Gavo à Mir Peset à Sarah. La Gemara dit, il lo Gavo à Mir Peset à Sarah. Si la Mir Peset n'est pas Gavo à Sarah, en quoi le Daka il sert? On a la même réponse que tout à l'heure. Qui a vu Daka, Mayave, Bemegoupe fait. On parle d'un cas d'Esser Amot, dans un cas où il y a Esser Amot. De patois dans le truc qui est entièrement entouré par la mire-pesette est entièrement entourée par une barrière, il reste 10 amot de vide. Et là, dans ce cas-là, effectivement, elle est déjà indépendante de la mire-pesette. Juste, elle a un pétard de SR amot qui pose problème. Là, en mettant la Daka, tu montres que tu te retires. Mais mes groupes ont fait d'amot et Kevin David Daka, Istalouke, Mehaha. Le fait d'avoir fait une Daka, d'avoir fait ce petit. Mechila, juste corrige. J'ai dit, le trou, il n'est pas de plus que 10 amot. Le trou, il est justement moins de 10 amot. Si le trou, il est plus de 10 amot, c'est un problème. Je me corrige. Donc là, on parlait d'un cas où le trou, il est moins de 10 amot. Donc il y a une ouverture qui est importante. Il y a des guipoufets de partout. Il y a une ouverture qui est importante, mais qui n'a pas dépassé les 10 amot. Donc là, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'autoriser grâce à la Daka. Par contre, si jamais il y avait une ouverture de 10 amot, donc je me corrige, mais ce que j'avais dit plus haut. Donc s'il y a une ouverture de 10 amot, alors là, effectivement. La Daka n'aurait rien servi très bien. Allez, c'est la mode de Kevin David. Daka, Istalouki, mais après le fait d'avoir fait la Daka, ça fait que le type il se sépare. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous raconter encore une autre ville. Donc, c'était une ville de gens qui voulaient qu'on leur fasse le Hérouf dans toute leur ville. Donc, là, on revient à l'histoire de Hirshel Rabim, Hirshel Yachid. Il y a une ville qui s'appelait la ville de Kakuna. D'accord ? Anebne Kakunae. Donc la ville de Kakunae, Kakuna, donc les gens de la ville de Kakunae, ils sont venus devant Rav Yosef, les camés de Rav Yosef, ils sont venus devant Rav Yosef, à me rouler, ils ont dit à Rav Yosef, donc c'était une ville où là-bas les gens, c'était pas des Chachamim. Ils connaissaient ça, ils savaient pas faire le Rouf comme on avait vu, on avait parlé pour le Rouf Troumine, qu'il fallait un Moumpré, mais même de manière générale, il faut que tu aies quelqu'un qui s'y connaisse pour pouvoir faire le Rouf. Donc il est venu voir le Rav, ils ont été voir le Rav de la région. Qui était Rav Yosef, ils lui ont dit, voilà, Rav Yosef, nous, on est les gens de la ville de Kakunaï, on ne comprend rien, mais on veut respecter le Shabbat. Donc, amène-nous un Chacham qui vient, qui nous fait le roux de la ville. Il a envoyé Abaye. Rav Yosef, il a envoyé Abaye. Alors, à tous les camés de Rav Yosef, Amroul, ils lui ont dit, Avlan Gavra, Delia Revlan Matin, apporte-nous un bonhomme, quelqu'un qui vient et qui va nous faire le roux de notre ville. Amarle, le Abaye, il a dit Abaye, Zil Arev Lehu, va leur faire le roux, Vechazé. Et par contre, vois, fais attention. Chazé des l'homme et savach à la bébé midrasha qui ne reviennent pas après se plaindre au bêta midrash de la manière dont tu leur as fait le hérouf. Il a fait leur le hérouf correctement parce qu'on va voir que Abaye il avait peut-être voulu leur casser quelques maisons pour pouvoir faire le hérouf, mais on va voir. Alors, en tout cas, ce que l'agma va expliquer juste après. En tout cas, l'agma elle te dit, Rav Yosef il a dit, je t'envoie Abaye, mais fais gaffe, fais-le correctement, je veux pas qu'il revienne crier vers moi. Très bien. Alors, c'est vrai que moi, je te dis, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti à Abaye là-bas. Et il a vu que Hazal, il est parti. Hazal et Anoubate et des petits Chélénahara. Il a vu que dans toute cette ville-là, il y avait certaines maisons à l'extrémité de la ville qui étaient au bord de la rive, au bord de la rivière, et qui ne donnaient pas et qui n'avaient pas d'ouverture directement sur la ville. Donc là, on va un petit peu mélanger les deux sougiotes qu'on vient de parler à l'instant. C'est que d'un côté, ces Hatserot-là, quoi qu'il arrive, de toutes les façons, j'aurais pas pu les utiliser pour un seul hérouf. Pourquoi ? Parce que pour que tu puisses faire un hérouf de chaque khatser avec autre khatser, il faut qu'il y ait un accès de l'un à l'autre. Donc là, quand tu veux faire le hérouf de toute une ville ensemble, il faut que de n'importe quel point de la ville, tu puisses aller à n'importe quel autre point. Or là, il y a ces maisons-là qui sont au bord de la rivière, elles ont une ouverture que sur la rivière. Pour rentrer dans la ville, il faut qu'elles passent, traversent la rivière et qu'elles reviennent de l'autre côté et qu'elles passent. Elles n'ont pas d'accès dans la ville. Donc, a priori, normalement, tu ne peux pas leur faire le hérouf ensemble. Donc, Abaye, il a dit, mais c'est quoi ? Metsuyan. De toute façon, là, ici, c'est une ville de Rabim. C'est une ville où il y a beaucoup de monde. Donc, je suis obligé, normalement, de laisser un quartier. Ben, ce quartier que, de toutes les façons, je ne pouvais pas lui faire le hérouf, ben, je vais le laisser. Et c'est ce quartier-là, je vais leur dire qu'ils font leur hérouf ensemble, de manière indépendante. Alors, Abaye, s'il pose la question, il dit, oui, mais peut-être qu'au contraire, peut-être que le quartier qu'on doit laisser, c'est un quartier que potentiellement, il aurait pu être inclus dans le hérouf. Et moi, volontairement, je l'exclus du hérouf. Mais un quartier qui, de toutes les façons, je n'aurais pas pu l'inclure dans le hérouf, je ne peux pas l'utiliser en tant que chiour, en tant que reste. Alors, Abaye, il s'est posé la question comme ça. Il ne savait pas.
Regardez dans les mots. Alors, Chazal, il a vu qu'il y avait des maisons des petits Chélénara qui sont ouvertes que sur le nard. Amar, il a dit, ah, nous, les Véchiou, les matins. Il a dit, peut-être que cela, on va les utiliser en tant que Chiou, en tant que reste. Le quartier qui doit être indépendant, on va le laisser ce quartier-là. Hadar, Amar, après, il est revenu, il a dit non. En Mervinet Koulat, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire les roues de toute la ville, mais on doit laisser un quartier. Sous-entendu, tu aurais pu inclure cette partie-là aussi. La partie que tu vas laisser, c'est une partie que tu aurais pu aussi inclure dans la ville. En Mervinet Koulat, nan, Nichlal, de Iba El Irouvé, Matseme Arvé. Ça veut dire que si jamais tu avais voulu, tu aurais pu faire le roof. Alors là, je ne peux pas faire le roof, puisque c'est une partie qui est complètement indépendante, qui n'a pas du tout d'accès dans la ville. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il a dit. Ce que je vais faire, c'est que le dos des maisons qui donnent sur la ville, mais qui n'ont pas de fenêtres et d'ouverture vers la ville, je vais casser le mur et je vais faire des fenêtres. Les fenêtres, c'est-à-dire que je vais casser, je vais faire un carré qui est large de Arba, de telle sorte à ce que je vais pouvoir faire des chalonot de Arba à l'Arba, comme ça Rachid dit, que le chalonot de Arba à l'Arba. Et donc ça va servir d'ouverture vers la ville. Donc ça va faire qu'ils vont avoir une ouverture de la ville. Donc je pourrais les laisser ces quartiers-là. Mais je vais devoir pour ça casser des maisons. Les types, ils risquent de me prendre la tête. Après, il s'est dit, non, tu sais quoi? T'es même pas obligé. Adar Amar. Adar Amar, El Marvin et Kula, Nan Mikla, De Ibaïl et Rouvé, Matsé Marvé. Et là, il y avait les Kavé. De Ibaïl et Rouvé, Derek Chalonot, Matsou, Marvé. Que si jamais on avait voulu faire le roof grâce à l'ouverture qu'il y a dans les Chalonot, j'aurais pu joindre la ville avec ce quartier-là. Adama, après, il a dit non, l'eau, il n'y a pas besoin. Des arabes, baravoua, mais arrive là, les koulam, mais arsaïta, mishum, pire, des bétoré. Alors, ça, on avait vu plus haut, dans le deuxième pérec de la Massechet, on avait vu qu'il y avait une ville qui est la ville de Mechouza, dans laquelle il faisait. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu que il y avait, la ville, elle était séparée par des endroits dans lesquels ils mettaient des pérottes pour les béhémoths. On avait vu là-bas qu'ils fermaient la ville pour ne pas que à l'extérieur, pour ne pas que les gens ils viennent voler ça, etc. Mais en tout cas, la ville à l'extérieur, elle est fermée. D'accord? Maintenant, à l'intérieur, il y a des longues, les longues, toutes les allées, en fait. C'est comme tu dirais comme s'il y avait des borottes qui sont remplies de pérottes qui séparent les quartiers en réalité. Et d'un quartier à l'autre, tu n'as pas d'accès, a priori, comme ça, avec ma pensée, on le comprend. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que là-bas, il a fait le roof. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Baravoua? Mais arrive là, les coulants de Khouda, Saïta, Mishum Pira de Betoré. Des kol chad vechad avec Shiur les Chavré. Il a pu se permettre de faire le roof de toutes les Shrounot, Arsaïta, Mechila, chaque Shrouna de manière indépendante, à cause des fruits qui étaient en réalité entre chacun. Entre chacune des rangées de maisons, quoi. Il y avait des rangées de mévohot, il y avait une rangée, regardez comme le dessin dans Rashi, si vous voyez dans le dessin dans Rashi, moi j'ai un meilleur dessin aussi dans la fin de la Massechet, mais en tout cas, là, il y avait toutes les villes avec tous les mévohot et les khatserot, une première rangée, après une rangée avec ce bord-là dans lequel on mettait les pérottes pour les béhémoths, une autre rangée, une autre, après un autre bord avec les pérottes et une autre rangée. Donc la ville a été faite comme ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ce Rabba Bar Avoua? Il faisait le hérouf de toute la ville. Il faisait de toute la ville en faisant shrounot par shrounot. Shrounot par shrounot. Alors le problème, il est de savoir, c'est que comment tu peux te permettre de faire chaque shrouna? Alors ok, je veux bien que tu n'as pas fait toute la ville ensemble parce elle était séparée par les pérottes qui séparaient chacun des quartiers, chacune des parties de la ville. Mais chaque quartier lui-même, il faut aussi qu'il ait un chiot. Apparemment, chaque quartier était grand. Comment ça se fait que tu as pu considérer que chaque quartier il était bon, chaque quartier il était entier? Parce que tu as considéré que le quartier 1, disons qu'il y a le quartier 1, le quartier 2, le quartier 3. Tu as considéré que le quartier 1, je peux lui faire le roof. Pourquoi? Parce que son chiour, c'est quoi le reste qui va être indépendant par rapport au quartier 1? C'est le quartier 2, le quartier 3. Le quartier 2, je peux lui faire le roof entier tout seul. Pourquoi? Parce que son chiour, c'est le quartier 1 et le quartier 3. Et le quartier 3, je peux lui faire le roof tout seul parce que son chiour, c'est le quartier 1 et le quartier 2. Donc tu vois que même si en réalité tu n'as pas d'accès entre le quartier 1, quartier 2, quartier 3, malgré tout, on peut considérer le quartier 1 et le quartier 2 comme étant le chiour pour le quartier 3, etc. etc.
Donc tu vois bien que même si tu n'as pas d'accès et qu'en réalité potentiellement tu n'aurais pas pu faire le hérouv de chaque quartier ensemble, le fait qu'il y a le quartier qui est à côté, bah, je peux l'utiliser en tant que chiour et ça va me suffire. Donc il a dit pas besoin d'ouvrir de fenêtre, je peux utiliser ces petites maisonnettes qui donnent sur le fleuve en tant que chiour. Mais la Gemara a dit non, pas du tout. Là-bas, tu sais pourquoi en réalité ils pouvaient utiliser chaque quartier chiour l'un pour l'autre? Justement parce qu'il y avait des ponts, il y avait des ponts entre les toits des maisons qui faisaient passer d'un quartier à l'autre. Il y avait des accès entre les trucs. C'est ce que nous dit la Gemara ici. La Gemara Adarama a après s'est dit non, l'Odamé ça ne ressemble pas. Atam, il va les rouver derrière Gagot. Là-bas, s'ils veulent, ils peuvent utiliser le fait qu'il y a un accès par le toit. En réalité, entre chaque maison, par le toit, il y avait un petit pont. Alors, moi, j'ai un petit dessin ici où tu vois sur le toit, il y avait des petits ponts. Et en fait, en réalité, grâce au petit pont que tu pouvais en fait accéder à l'autre quartier. Donc c'est pour ça que les quartiers sont accessibles l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que tu peux les utiliser en tant que chiour l'un de l'autre. L'agma, elle te dit que je sais pas c'est quoi ça. Ok. L'agma, elle te dit que tac 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 tac. Je retrouve la ligne. Tandis que ici, tu ne peux pas. Dans les fenêtres, donc, tu es obligé de faire une ouverture de fenêtre finalement. Alors, on va faire une fenêtre. Alors, Adarama, après, il s'est dit. En réalité, non, il n'y a pas besoin de fenêtre. Pourquoi? Il y avait un type qui s'appelait Pupidta dans la ville de Pumpedita. Donc, il s'appelait sur un nom qui ressemblait à sa ville. Peut-être c'était le maire de la ville, je ne sais pas. En tout cas, il y avait Pupidta de la ville de Pumpedita. Lui, il avait un bêta Teven. Et ce bêta Teven, on l'utilisait en tant que chiour, en tant que reste. Même si on regardait ce bêta Teven-là, il n'avait pas besoin de hérouve. Alors là, comme ça, Rachid explique, comme ça, enfin, passer dans ce parachim, là, il rapportait, j'ai vu au nom du tour, que, à partir du moment où ce quartier-là, cette maison-là, elle n'a pas besoin de hérouve, parce que c'est un bêta Teven qui n'a pas besoin de hérouve. C'est pas un endroit où il y a une dira, apparemment. Je ne sais pas exactement pourquoi il n'a pas besoin de hérouve, je ne suis pas encore rentré dans ce point-là. Mais en tout cas, vu que c'était quelque chose qui n'a pas besoin de hérouve, a priori, t'aurais pas eu besoin de. Il n'aurait pas pu être inclus dans le hérouv. Et malgré tout, tu l'utilises en tant que chiour. La Gemara dit, tu vois, donc Rabbaye se dit, donc tu vois bien que tu peux utiliser quelque chose qui ne pouvait pas être inclus dans le hérouv en tant que chiour de hérouv. Et malgré tout, il est utilisé en tant que chiour. Donc tu n'as donc pas besoin de faire de fenêtre. Donc il n'aura pas fait de fenêtre finalement. Il aura cachérisé toute la ville comme ça, en s'appuyant chiour, ces maisonnettes-là qui sont au bord de la rivière. Il a rien eu besoin de casser. Et après, il dit, ah ok, donc maintenant je comprends. C'est ça qu'il m'a dit Rav Yosef. Quand Rav Yosef il a dit, attention, fais en sorte qu'il ne vienne pas me crier, Rav Yosef il avait compris que là-bas, il y a des maisons que j'aurais peut-être pu avoir une erreur de vouloir les casser, de vouloir leur faire des fenêtres. Et donc là, je l'aurais pas fait, donc j'ai réussi quand même à. J'ai réussi le test, quoi, en fait. Ce que nous dit l'Agma ici, c'est que. Cette maison de Théven dans laquelle il mettait de la paille. D'avait les marbres à Protida, avait Xavier Chiour, les Pumpedita. En fait, c'était un chiour pour la ville de Pumpedita. Grâce à cette partie-là qui était en hérouve indépendant, on a pu faire le hérouve de tout le reste de la ville de Pumpedita. Amar, Aïnou, Damarli, donc je comprends bien, c'est ça qu'il m'a dit Rav Yosef. Damarlimar, Chavé de l'Ometsafrat, Allé Bebe Midrasha, fais en sorte qu'ils ne viennent pas crier sur toi au Betamidrash. Donc il voulait que je trouve une solution pour ne pas qu'on ait besoin de casser de fenêtres. Continue l'Agma. Elaim Ken Asa, on avait dit Elaim Ken Asa. Mais le chiour, on n'avait pas dit que c'était censé être un qui disait 50 maisons, l'autre qui disait Ah, 8 maisons, je sais plus quoi. Zakobaou, toute fois, tu poses la question et il dit qu'on parle que cette bête à Théven-là, c'était quelque chose qui complétait aussi ce nombre de maisons-là. Toute fois, tu poses la question. Regarde dans toute fois là-bas, Chiour Pumpedita, Behadé Chiour de Gimel Khatserot chez Shnei Batim Bainam. En plus des Khatserot de Debatim, comme on a dit que la comme Rabbi Shimon. Hadak. Ok. Hadak. Très bien. En tout cas, l'Agmara te dit ici, et là, on avait dit que voilà, donc on revient sur cette halakha qui vient de dire Arié, qu'il faut que tu aies laissé un chiour, soit d'après un premier avis qui est comme la Ir Khadasha, donc la Ir Khadasha c'est une ville qui s'appelait comme ça, comme l'Agmara va le dire tout de suite, ou soit d'après Rabbi Shimon, tu laisses trois Khatserot de deux bâtiments. Alors, l'Agmara te dit, et là, Tanya Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. Ir Achat Aïta Yehuda, il y avait une ville dans la contrée de Yehuda, Vechadasha Shema qui s'appelait Chadasha.
Vayuban nun diurin anashim venashim vetaf. Là-bas, il y avait 50 habitations. C'est une petite ville, petit village. Il y avait 50 maisons, hommes, femmes et enfants. Vayuban mesharim chachamim. Et c'était cette ville-là qui était utilisée en tant que référence pour dire une mini-ville. Mini-ville, c'était la ville Khadasha. Vei aita shiur. Et donc, c'est ça qui doit être un shiur d'après la ville chachamim. Donc, là, moi, je pose la question. Iba yaleu. Donc, cette ville-là, elle a été shiur par rapport à la grande ville d'à côté. Il y avait une grande ville d'à côté de la ville de Khadasha. Donc, et la ville de Khadasha a été utilisée en tant que shiur par rapport à la grande ville. Donc, on a dit la ville de Khadasha elle-même. Comment tu peux lui faire le hirouf entièrement? Faut qu'elle soit... C'est quoi son shiur à elle? À elle, c'est quoi son shiur? Puisqu'elle aussi, c'est une ville. Donc, on a dit non, son shiur, c'est la grande ville. Pour la grande ville, le shiur, c'est la petite ville. Pour la petite ville, le shiur, c'est la grande ville. Parce qu'en fait, le shiur, c'est rien d'autre, ce n'est rien d'autre que de dire que tu fais, chacun fait son hirouf de manière indépendante. La Gemara te dit, Iba yaleu, Khadasha maour. La ville de Khadasha elle-même, comment tu lui faisais le hirouf? La Gemara dit Khadasha, qui ride ihi avec shiur la gdola, gdola nami avec shiur la kana. De la même façon qu'elle a les shiur pour la grande, pareil, la grande, elle a les shiur pour la petite. Et là, Ke'en Khadasha, je me pose la question, non, quand tu as une ville qui est comme la ville de Khadasha, une ville qui en soi, elle est indépendante, il n'y a aucune autre grande ville à côté, et que tu as hein, une ville de 50 maisons, comment tu vas faire dans ce cas-là? Ke'en Khadasha, dans ce cas-là, tu fais comment? On nous dit la Gemara, Ravuna, Ravuna, alors lequel entre Ravuna et Ravuna, Khadamar, Baya Shiur, tu devras t'arranger pour avoir un Shiur. Il faudra s'arranger pour avoir un Shiur. Et donc le Shiur, tu devras laisser une partie. Tu laisses une partie. Bah, tu ne pourras pas laisser 50, puisque la ville, elle fait 50. Donc tu laisseras une partie quand même. Et l'autre te dit, non, vu que tu ne peux pas laisser 50, donc tu laisses rien. Mais Khadamar, lo, Baya Shiur. Très bien, Marc. Mais d'après les deux, on peut être mes rêves. Tu peux être mes rêves, mais d'après l'un, tu dois laisser quand même. Ah, chiour. Tu vas vers un petit chiour, mais du coup, si tu ne payes pas 50, c'est quoi le chiour qu'il faut laisser? Alors, justement, peut-être il va revenir comme Rabbi Shimon, mais c'est pas précis. Peut-être que dans ce cas-là, il va être d'accord avec Rabbi Shimon. Il faut laisser Khelek Mea Dayarim, quoi, ceux qui n'ont pas fait le héros avec une partie. Rabbi Shimon, c'était deux maisons, deux Khatser et une maison, non? Trois Khatserot de deux maisons, ouais. Trois Khatserot de deux maisons, ouais. On va voir que même Rabbi Shimon, quand il y a les trois Khatserot, c'est l'Avdavka, c'est même un seul Khatser, la Gemara va dire juste après. On va voir tout de suite. Okay. La Gemara te dit Rabbi Shimon Omer. Gimel Khatserot, Vekhule. Amar Rav Chama Bar Gouria, celui-là, on l'avait vu plus haut dans Daf Mem Vav, Mem Zain. Il a dit que Amar Rav, Alakha Rabbi Shimon, l'Alakha est comme Rabbi Shimon ici. Même si normalement, on tient que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, l'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, l'Alakha est comme Rabbi Shimon. Rabbi Tzrak Amar, Afidu Beit Echad, Vechatser Echad, Vechatser Achat. La Gemara dit, même si tu as une maison et un Khatser. Elle m'a dit quoi, Khatser Achat? Quoi, un Khatser sans rien à l'intérieur? Fakadater. Emma Beit Echad, Bechatser Echad. Même une maison dans un seul khatser, donc c'est-à-dire que c'est une petite maison indépendante, alors là, elle suffit. Amarle, Abayi, Rav Yosef, Ad Rabbi Yitzhak, Gmara, Osvara. Ce qui dit Rabbi Yitzhak, il le tient par tradition, ou alors c'est sa logique à lui? Il a dit Rabbi Yosef, Madame Chané, Amarle, Maynafkalan Mina. Qu'est-ce que ça te change? Il a dit, je te réponds pas. Qu'est-ce que ça te change? En quoi c'est une Nafkalan de savoir s'il le sait par ses rabbinim ou s'il a dit Mizvara? Il te dit quelque chose, tu tiens la route, tu acceptes ou tu acceptes pas. Il lui a dit, non, Amarle, Gmara, Gemor, Zmurtate. Donc, on avait vu, c'est une expression qui te dit, la Gmara, tu vas la prendre comme un chant. C'est-à-dire que sans la comprendre, non, il faut la comprendre, la Gmara. Quand on te dit quelque chose dans la Gmara, il faut le comprendre. Moi, je vais essayer de comprendre, est-ce que c'était une Zvara ou c'était quelque chose qu'il a reçu par Gmara, c'est-à-dire par tradition, qu'il a reçu de ses maîtres. La Gmara, elle répond pas. Elle dit pas d'où il l'a appris. Mais en tout cas, voilà, il lui a dit pourquoi il a justifié pourquoi il avait besoin de poser cette question-là. Très bien. Nouvelle Mishnah, cette fois-ci, on revient. On a fait une petite parenthèse avec le Hirouvé Khatserot. Maintenant, on revient avec le Hirouvé Techumin. Nous dit l'Agma, Mishaya Bemizrach, un type qui était à l'Est. D'accord? Alors, on va voir dans l'Agma, à l'Est de quoi? Quelqu'un qui était à l'Est. Vermar Libno et qui a dit à son fils, Arev li Bemarav, fais-moi le Hirouvé Bemarav à l'Ouest. C'est-à-dire que moi, je veux aller par là-bas, vers l'Ouest, fais-moi le Hirouvé vers l'Ouest. Bémarav, alors le type était à l'ouest, il a dit à son fils qui est au Mizrach, fais-moi le Hirouv au Mizrach. Va Maribou à Révlib au Mizrach. Là, on te dit, ça va dépendre. Imiesh et Menou, le béton. Donc là, on parle d'un type qui n'était pas encore arrivé chez lui. Il y a la personne qui se dirige vers sa maison. Il y a sa maison. Et il y a le Hirouv que son fils éventuellement est en train de lui faire. Là, on nous dit, Im Yesh et Menou, le béton, Alpaim Ama. S'il y a entre lui et sa maison, Alpaim Ama, Veliruvo Yoter Mikan. Alors, et Veliruvo, Velibeto Yoter, et vers sa maison, il y a plus que ça. Ça veut dire quoi, Yoter Mikan? Il y a plus que Alpaim Ama, vers le Hirouv Mikhila. En réalité, il y a le Hirouv que son fils lui a fait et à sa maison.
En réalité, sa maison, elle est dans les Alpay Mama, mais le Hérouv que son vestige lui a fait, il est plus loin que les Alpay Mama. Donc, de telle sorte, est-ce que le Hérouv que son vestige lui a fait, il ne peut pas être valable pour lui? Parce que pour que le Hérouv soit valable, il faut que le Hérouv soit accessible par la personne. Alors, lui, il ne peut pas y accéder puisque le Hérouv, il est plus loin que Alpay Mama. Il est encore plus loin que Alpay Mama de sa maison. Donc, là, dans ce cas-là, comment on fait? Alors, on nous dit la Gemara, dans ce cas-là, le din, il est que sa maison, elle est pour lui. Son habitation et le hérouv n'est pas valable, donc il aura Alpay Mama autour de sa maison. Et même si en réalité, donc ça c'est une question qui est marquée dans les Rishonim, même si en réalité, pourquoi autour de sa maison il a la ville, il n'y a pas de ville autour. Disons qu'il n'y a pas de ville autour, ouais. S'il n'y a pas de ville autour, s'il y a une ville, c'est une ville, s'il n'y a pas de ville autour, d'accord. Mais la question qui se pose, c'est que au final, on avait vu plus haut que si jamais toi tu avais l'intention de comment on appelle ça, Totrochi pose la question. Si tu avais l'intention, toi, d'aller. Attention de faire le hérouve là-bas, normalement, t'as que Terba Amot. Hazak, très bien. Totrochi pose la question. On a dit que quand tu voulais faire un hérouve et que ce hérouve-là, il était bêta out, il était trop loin, bah finalement. Ouais, mais là-bas, c'est quand je suis en chemin. Là, j'ai ma maison, elle existe. Hazak. Là, ma maison, elle existe. Kola Kavot, t'as dit la réponse à la question du Totrochi. Hazak Borou. Ça veut dire qu'en réalité, quand est-ce qu'on a dit que la personne est grillée et qu'elle n'a pas sa maison, c'est quand elle est en chemin, elle ne veut pas se rabattre vers sa maison, parce que sa maison, de toute façon, il a voulu la quitter, il a voulu aller ailleurs. Donc là, dans ce cas-là, on va dire que la personne, elle doit obligatoirement avoir soit le hérouve, et si son hérouve il est trop loin, ben, il a rien, il ne peut plus bouger la cuisse à rabattre un autre, parce qu'il ne s'est pas rabattu vers sa maison, il n'était pas intéressé de se rabattre vers sa maison. Tandis que là, où il y a sa maison à côté, donc il a sa maison. Très bien. Maintenant, la Gemara te dit. La Mishnah continue, elle te dit, par contre, si c'est le cas inverse, à savoir que son hérouv il est plus proche que Alpay Mama et sa maison elle est plus loin que Alpay Mama. Je retrouve juste la ligne. Il met chez Menouvel Beto Alpay Mama vers l'hérouv yoter mikan mutar le Beto vers sur l'hérouv. Il aura le droit d'aller à sa maison, il n'aura pas le droit d'aller vers son hérouv. Tandis que si l'hérouv Alpay Mama ou le Beto yoter mikan sur le Beto mutar l'hérouv, c'est l'inverse maintenant. L'Agmara va expliquer exactement de quoi on parle, parce que tu m'as dit que le type, il a dit, il est à l'ouest ou à l'est. L'Agmara va expliquer s'il est à l'est de sa maison. Alors là, dans ce cas-là, le hérouv, il est forcément plus loin que la maison. C'est quand tu dis qu'il va te faire le hérouv à l'ouest. Donc, comment c'est possible que le hérouv, il soit moins qu'Alpaïm et ta maison, elle soit plus qu'Alpaïm? L'Agmara va expliquer tout de suite. Autre cas de la Mishnah. Anotanet hérouvo be iboura shel ir. Celui qui donne son hirouv dans le hibour de la ville. Donc, dans le hibour de la ville, donc c'est les 70 amot autour de la ville. Donc, dans ce cas-là, l'oasa veloklum, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Il ne sert à rien, ce hirouv-là, parce que de toute façon, lui, il était dans sa ville. Il avait dans sa ville Alpay Mama autour de la ville. Donc, quand tu as mis le hirouv dans la ville, tu n'as rien changé, tu n'as rien avancé. L'oasa veloklum. Non, netano le chousa troum, si jamais tu l'as donné en dehors du troum, alors là, dans ce cas-là, Afilou Ama Achat. Donc, on va voir que la Gemara va expliquer que ce n'est pas en dehors du Troum, c'est en dehors du Hibour. Si c'est en dehors du Troum, il ne peut pas te servir. Tu l'as mis en dehors du Hibour. Alors là, même si tu l'as mis une Ama en dehors du Hibour, eh ben, tu as eu réduit une Ama de l'autre côté de ta ville. Afilou Ama Achat, la Gemara te dit Mache Niskar Hu Mafsid. Ce qu'il a gagné, la Ama qu'il a gagné du côté où il a mis son Hérouv, son Troum, alors là, il a perdu de l'autre côté. Alors la Gemara, après, va expliquer exactement. Combien il a gagné, combien il a perdu, on va voir. Ça va être le sujet. Peut-être qu'on ne va peut-être pas rentrer dans ça aujourd'hui. Ça va être le sujet de demain. Mais Bedrat Hashem. Attends, je sais si demain on aura le temps. Ouais, demain, on pourrait laisser ça pour demain. En tout cas, ce que la Gemara ici, elle continue, elle nous dit Kassal Kada Ater. Ici, la Gemara, elle pensait dire que. Pop. Que quoi Kassal Kada Ater. La Gemara ici pensait que. Les Mizrach Beto, les Marav Beto. Donc, quand il est marqué dans notre Mishnah, encore une fois, quand on lit la Mishnah, il est marqué dans notre Mishnah, Mishaya Bemizrach, celui qui est à l'est de sa maison, et il demande à son fils de lui faire le hirouv à l'ouest de la maison. Donc, ça veut dire qu'en réalité, à l'est de la maison ou à l'ouest de la maison. La Gemara dit, je comprends bien le cas là où le hirouv, il est plus loin que la maison. Donc, on a dit que la maison, elle est dans la Alpay Mama, et le hirouv, il est plus loin. Là, je comprends, c'est possible. Mais comment c'est possible le cas inverse, le deuxième cas de la Mishnah? Ou qui nous dit que le hirouv il est plus proche que la maison. Comment tu peux déposer le hirouv à l'ouest de la maison alors que toi tu es à l'est et que le hirouv va être plus proche que ta maison? C'est pas possible.
pas ça qu'à terre les misères nous rabeto les marav marav beto bish la mach comprend bien la recha hey menou le beto alpaim ama ou les rouvé tamikan dans le cas où le rouvé il est plus loin il est plus qu'alpaim ama mach khat là on peut très bien trouver des maté les beité velo maté les rouvo il peut arriver dans sa maison mais il peut pas arriver parce que son rouvé il est plus loin il est plus vers l'ouest donc effectivement là je comprends et là hey menou velo rouvo alpaim ama ou le beto yetermikan et mach khat là. Comment tu peux trouver un cas de figure où ton Hérouv il est plus proche, tu peux y accéder dans les Alpaï Mama, mais tu ne peux pas y accéder à la maison dans les Alpaï Mama, comment c'est possible? Rabbi Israq te dit non, quand on te dit que le Mizrach ou Marav, ce n'est pas de la maison, c'est du fils. Rabbi Israq, oui, Mastvarat, les Mizrach Beto, les Marav Beto. Non, les Mizrach Bno, les Marav Bno. En fait, c'est le fils qui est au milieu, et en fait, il a dit à son fils, moi je suis à l'est, fais-moi le Hérouv à l'ouest. Maintenant, sa maison aussi, elle est à l'ouest. Donc effectivement, la maison, elle peut être plus loin. Donc là, c'est par rapport au fils qu'on dit que Mizrach ou Marav. Ça, c'est la première réponse, la réponse de Rabbi Tzrak. Deuxième réponse, qui est comme dans le dessin dans Rashi, Rava bar Rav Shila Amar, Afilu Tema les Mizrach Beto, les Marav Beto. On pourrait très bien rester sur la compréhension qu'on avait dit au départ. Mais ici, on parle de quoi? Kegon de Kae Bete Be Al Chesona. Donc lui, il est au Mizrach, vers le Marav et sa maison. Et il a mis sa maison, elle est ici. Plus qu'Alpaï Mama, et il a mis toujours vers le Maharav, dans le même sens, mais en diagonale, le Troum, le Hérouv du Troum. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est vrai que les deux, ils sont dans le Maharav, mais tu en as un qui est. C'est un triangle, quoi. Qui est au Maharav de la maison, mais qui est au Maharav à la maison, vu que c'est en triangle. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est possible que la maison soit plus loin que le morceau de pain. Donc là, on s'est arrêté aux deux points. Alors, juste, on va dire encore une ligne. Donc, on a la nouvelle Sugia. Anoten Iruvo Betor Ibura Shalir. Après, on a vu Anoten Iruvo Khutz Latroum. Alors, c'est quoi Khutz Latroum? On va te dire Khutz Latroum, c'est le cas la terre. Et là, il m'a Khutz Le Ibura, en dehors du Ibur. Comme je vous l'expliquais, ce n'est pas en dehors du Troum, mais c'est en dehors du Ibur. Maintenant, après, la Gemara va rentrer la Sugia de demain. Mais Bezrat Hashem, ça va être dans le fait que ce que tu as gagné en mettant ton Iruv du côté Mizrach. Tu l'as perdu côté Maharav. Maintenant, on va voir combien tu as perdu. Est-ce que tu as perdu en calculant Alpaï Mama à partir du pain que tu as posé? Ou alors, non, la ville, ça va être que Arba Amot. Ça va être la suite de demain, Bezrat Hashem. On verra ça demain. Bezrat Hashem Khadakour. Donc demain, bien évidemment, plutôt, 8h15, Machoukadé.